Le sucre d'orge a un intérêt important pour la bonne raison, c'est que c'est une des seules spécialités ou des rares spécialités artisanales, fabrication artisanale, dans laquelle il n'y a absolument aucun additif, c'est-à-dire aucun glucose, aucun parfum, aucun colorant et aucun conservateur. C'est uniquement du sucre qui est cuit dans une infusion d'orge. Nous avons repris cette fabrication en promettant aux religieuses qui nous ont quittés il y a 40 ans. Elles ont créé le sucre d'orge en tant que bénédictine, oui, qui avait cet habit-là, en 1638, sous le règne de Louis XIII. Elles l'ont fabriqué pendant plus de 350 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1970. Aujourd'hui, à Écuel, donc se déroule un concours de maréchalerie dans le cadre d'une fête des vieux métiers. C'est-à-dire qu'en fait, il existe en France 5 à 6 concours de maréchalerie dans l'année qui comptent pour le championnat de France. Et il n'en est pour le moment jamais existé encore en Ile-de-France. C'est le premier en Ile-de-France qui se met en place cette année. Épreuve comptant pour le challenge de Seine-et-Marne, des 410 concurrents sur le circuit, qui est parti à 10h d'Écuel, qui est arrivé ici à Champagne-sur-Seine au stade Paul-Ébra après avoir traversé Thomery, Veneux-les-Sablons, Moret-sur-Loing. On a le président de la communauté de communes Moret-Seine-et-Loing qui est ici présent et je crois veut dire quelques mots sur cette foulée. J'espère que vous avez apprécié cette deuxième foulée. Donc il y avait deux innovations, puisque hier il y avait une course pour les jeunes. Une cinquantaine de jeunes coureurs ont participé. Et ce matin, il y avait une course pour handicapés. Lorsqu'on descend la rivière le Loing en canoë, on voit les maisons différemment. On voit le côté jardin. Des habitations qu'on verrait pas forcément de la route, et c'est vraiment un autre décor, quoi.
Qui ont composé la nouvelle école de la peinture claire, Monet, Renoir, Pissarro, Basie, Morisot, Alfred Sisley demeure le plus méconnu, mais assurément le plus pur des peintres dits impressionnistes. Cher monsieur Tavernier, je suis donc depuis 12 ans à Moret ou aux environs. Quoiqu'il soit bien dans mes intentions d'agrandir mon champ d'études, je ne quitterai jamais ce coin si pittoresque. C'est à Moret, devant cette nature si touffue, devant ces grands peupliers, cette eau du loin si belle, si transparente, si changeante. C'est à Moret certainement que j'ai fait le plus de progrès dans mon art. Rosa Bonheur est arrivée ici en 1859 et a fait construire l'atelier en 1860. Donc c'est l'architecte Saulnier, à la demande de l'artiste, qui a construit cet atelier qui est du style néo-gothique. Ce lieu magique est resté vraiment en état. Vous pouvez apercevoir cet atelier et ses bureaux qui sont vraiment restés d'époque depuis le décès de Rosa Bonheur en 1899. C'est ce qui fait la particularité de ce lieu. C'est pour ça qu'il attire énormément de gens, de connaisseurs surtout, car c'est vrai qu'un atelier d'artiste resté dans son jus comme celui-ci, c'est très très rare à l'heure actuelle. Après le dessin, la peinture, eh bien, j'ai fait du modelage. Donc j'ai fait une exposition de céramique. Puis ensuite j'ai fait des résines. J'ai toujours essayé de gagner ma vie avec la peinture.